Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Ugly Debut Negative Challenge. Je sais pas ce qu'ils avaient, hein, mais bon. Voilà. Ah, mais le toilette est cassée. Oh bah zut alors, j'avais pas vu. Ah oui, elle était pas retournée se coucher, Garance. Bah écoute, ma petite, tu vas y aller, hein. Et puis on passera rapidement à la prochaine journée. Zou! Au lit! Malotru! On en parle ou pas? De Loki? Loki, il est déjà vieux, quoi. Donc, ça va pas du tout. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a depuis 5 minutes, ce chien. Et il est super. En plus, on n'a jamais été chez le véto parce qu'il a pas été malade. Donc, je pense qu'on va lui prendre sa petite barre, là. Bien-être. Crotte aléatoire. Ok. Mais on va aller lui faire sa petite... Voilà. Comme ça, on aura... Il va rajeunir et tout ça. Voilà. C'était juste comme ça. Parce que moi, j'aime pas que les animaux vieillissent. Voilà. Et ce sont nos petits garçons qui se lèvent. Et alors, ils vont... Bah écoute, parfait. Harold, tu es parfait. Et Igor aussi. Et nos garçons... Normalement, se vont vieillir dans cet épisode. Jolie Heidi. Si tu peux y aller, allez. Je t'autorise à y aller. Ah, tu peux pas. Eh ben, écoute, va pisser en bas alors. Me casse pas les couilles et tu commences pas. Hein. Ah non, parce que là, il y a les parents qui dorment. Bah, tu vas ici. Gros, je vous jure. Oh, elle est rouge de partout. Oh la vache. Oh la vache. Pauvre. Ça va plus du tout là. Les garçons, ça va mieux. Qu'est-ce que tu fais? Prends pas de bain, Harold. Écoute. Voilà, tu vas faire ton petit pipi. Igor, lui, il est déjà en train de manger. Après, il ira pisser. Ah, mais du coup, il va arrêter son plat. Mais ouais. Tu vas manger après tes macaronis au fromage. Oh, mon petit Loki. Bon. Et les autres, comment elles vont? Ça s'adore. Donc Frida est devenue adulte. Jeune adulte dans l'épisode précédent. Et Loki aussi, hein, est devenu vieux lui. Ça fait mal au cœur. Donc du coup, allez, on va pas la gérer parce qu'elle est grande. On va peut-être lui trouver un job par contre. Et peut-être, oui, un futur mari avec Amir qui est klepto. En même temps, ça pourrait être rigolo hein, de voir... D'aller voler chez les gens en fait. J'ai jamais vraiment fait, j'ai jamais vraiment exploité ce trait de caractère. Donc pourquoi pas Amir ou Gabriel. C'est encore des ados, mais de toute façon, c'est pas très très grave. S'ils vont bien vieillir. Après, nous avons Mizuki. D'accord. Ah oui, non, j'avais vu déjà lui. Bon, on va voir, on va se décider tout doucement. Eh ben, niveau 6, compétence faculté sociale pour. Igor, ses manières montent. Ah ouais, mais c'est... Entre les émotions et tout ça, que ça va pas, quoi. Bon, allez, les garçons, hein, vous allez pouvoir aller à l'école. Garance, elle est partie. On va lui faire rencontrer des gens. Heidi, tu peux y aller aussi. Harold, il y est déjà. Harold, bon, il a commencé à avoir faim, mais c'est pas grave. Heidi, elle va à l'école. Hop. Igor, tu peux y aller, stop. Ouais. Toi, tu peux vider le truc de café parce que ça pue la main. Oh, mais ils sont des mamans, mais c'est mignon. Tiens, tu vas jeter, s'il te plaît, toi aussi. Lui, finalement... ah ouais, il a pas les vrais les trucs. Je pensais qu'il avait pas le problème de manière, enfin, de contrôle des émotions et tout, mais c'est normal, il était déjà adulte. Quand j'ai eu le... J'ai acheté Être parent, donc forcément ça doit pas avoir d'influence sur lui. Tu sais pas quoi faire, ma jolie? Tu vas refaire à manger. Tu vas servir. Des omelettes. Et tu vas cuisiner. Il refait du café, mais non! T'as quoi sous poisson? Allez. Arrête avec le café! Oh! Je sais pas pourquoi j'ai mis ça.
Ah non, il fait une... prend une camomille. Bah. Je vais prendre une boisson parce que t'es vieux, tu prends une camomille, c'est ça ce que tu me dis, Louis. Là, t'as ta tasse qui bug, qui est dans ton petit doigt. Oh, mais elle! Elle est censée faire à bouffer correctement, hein, on est d'accord. Heidi! Frida! Pff, Frida, j'ai l'impression que. Faut que tu te prennes une douche, cocotte. Tu vas prendre une douche et puis on va te trouver un job. Alors, elle est rat de bibliothèque, ambitieuse, sociable, membre d'un groupe de potes. Est-ce qu'on ferait pas... C'est quoi ce truc? C'est chef de bande. Hein? Acheter un avantage de groupe. Ah bah oui. On a 531 points, on peut acheter. Hein. Devant, derrière, en haut, en bas. Point contre point. Croise, croise, pointe. Oh ouais. Oh, on va prendre le plus compliqué. Allez. Voilà. Elle a fait donc ça, son étape. Effectuer 10 activités de groupe. Comment? Comment? Donc c'est chef de bande, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez. Ok. On va lui faire prendre un job, surtout. Voilà. Histoire de. Après, on verra hein, si... elle est héritière. Elle s'occupera aussi de ses enfants, comme l'a fait Cybèle. On s'adaptera. Alors, détective médecin scientifique affaires. Alors, je pensais plus pour affaires. Donc, effectivement... enfin, je sais pas. Critique. Elle est ambitieuse, du coup, je... Ah, ou politique. Ouais, remarque, ça va être chiant. Politique, va falloir toujours bouger. Ben, on va faire ça, politique. Et on fera aller travailler et... Ça, et... Voilà, voilà, choisir une cause. Elle doit choisir une cause. Et soit on la fera pas travailler sur place. Enfin, on l'enverra travailler, je veux dire, au lieu de travailler à la maison ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas trop comment dire. Mais je t'ai demandé de prendre une douche, cocotte. Allez, mais. Vas-y, nettoyer. Choisir une cause à soutenir. Lettre d'amour, on attend la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais. Cliquez sur votre film, choisissez carrière politique, puis choisis. Une chose. Hein? Ah, faut cliquer sur elle. Ah! Choisir une cause. La parole aux arbres. Monde uni. Pas de laisser pour compte. La fondation contre la maladie, c'est les Sims flous pour tous. Alors, moi, ce qui me plaît, la parole aux arbres, le monde uni et les Sims flous pour tous. J'ai envie de dire, on est dans le mood écolo. Allez, choisir ça. Alors, Harold a rencontré Théo. Très bien. Et il veut quoi, Pépère la joie? Et elle a mangé du coup. Hein. Mais je vous jure. Tu vois, on va aller se balader au machin là. Chez le veto. Oh, il lui brosse. C'est trop cool. Tu peux aller pisser, ma belle, là, au lieu de traîner toute la journée. Elle est en train de nettoyer. C'est très bien. Toi, qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? On sait pas. Je sais pas. Ah, il va faire du basket, il va se tuer. Oh mon dieu, on va perdre Louis. Bon. Ok. A choisi une cause à soutenir, c'est super. Et du coup, on va envoyer... on va aller avec notre copine Cybèle pour aller acheter des petites friandises rajeunissantes. Voilà, nous y sommes. Oui, un pauvre chien. Chien qui... Oh... Une chienne. Voilà, tu veux... Ah bah tiens, oui, c'est vrai qu'on va pouvoir faire un peu sa carrière. Son aspiration. Je vais y arriver. Oh, elle a mis ses cheveux comme ça. Oh, t'as vachement perdu de poids, si belle. T'es magnifique comme ça. Alors... Qui ressuscite. Ah ouais, non, on va peut-être pas ressusciter. On va prendre juste celle-là. On va en prendre quelques-unes. Vieillissant puis en terreur extrême.
nous. Voilà. Faut que tu sois ami avec plusieurs animaux, Sibel. Proposer sans amitié. Je crois que la veto veut s'en occuper, mais nous on est en train de la squatter parce que nous on est comme ça. Je crois que c'était déjà. Non. Ah oui, non, 2 sur 5. On doit en avoir 5. Et voilà, ça fait 3. Alors, est-ce qu'il y a d'autres animaux dans le coin des animaux? Tiens, un animal là. Il y a un animal. Viens vite, Sibel, il y a un animal ici. J'ai pas le temps. Chewing gum. C'est aussi une chatte âgée. Mais non, ils sont tous vieux dans le bas, dans la maison, dans le coin. Là, t'en as un autre là. Oula, on dirait une chèvre. Oh, c'est quoi ce chien? Ah! En plus, il pue tout, il est dégueulasse. Ouh! Sibel, tu. C'est quand tu veux, hein, je sais pas. Moi, je suis en train de chasser les animaux, mais bon, c'est vrai que toi, si tu veux rester sur place à rien faire, pourquoi pas? Allez! Bon, allez, c'est bon. Là, il y en a ici, regarde, c'est qui ça? C'est Brandy. Tu vas te présenter à Brandy. C'est quoi ça? C'est un chien? Ah non, c'est un. Ah non, c'est un chat. Oh, ouais, une de ses têtes. Oh, il est flippant. Mais elle est bloquée, hein. Oh my god. Hop. Allez, on recommence. Vous voyez, comme ça, vous pouvez voir. C'est le chat qui passe au milieu des pigeons, mais tout va bien. Bon, en fait... Je m'énerve. Allez. Ah ouais, elle était buggée, hein. Mais viens là, Sibel, tu me pètes les noix, là. Oh, c'est pas vrai, hein. Allez, dépêche-toi. Bouge-toi le fion. Hey, non, en fait, on peut pas parler au chat. C'est ça. Il fait peur, c'est pour ça. Mais viens. Oh là là, mais elle est sérieuse. Voir ce qui se passe. Bah oui, il y a un chat, oh mon dieu. Tu vas lui parler, oui ou merde? Oh, c'est pas possible, dis. Je vais pas perdre toute ma journée là-dessus, moi. Oh. C'est quand tu veux. Ok, ça ne fonctionne pas. On peut pas communiquer avec les animaux dans la ville. C'est trop cool. Ah, et celui-là, elle ne peut pas pouvoir. C'est logique. Qu'est-ce qu'il a, ce chat? C'est qui? Guizou. Il est malade, le Guizou. Il est tout gelé. Oh non, pépère. Oh, réconforte-le un peu. Toi, tais-toi, Jérôme, t'es mort. Oh, petit choupinet. Puis pour une fois, il est pas vieux. Celui-là, il est juste adulte déjà. C'est déjà pas mal. Propose ton amitié, dépêche-toi. Oh, BG et mademoiselle. Vous êtes adulte. Audrey Jolie, la propriétaire de... Je sais plus, Guizou. Oh non, non, tout chumé. Précieuse. Salut, précieuse. Ici, on est aujourd'hui, on a envie de t'interroger avec tous les animaux du quartier. Et on voulait demander si toi, tu voulais bien être notre ami. Ah, non. Ah, Garance a aussi remonté Gabriel. Mais on n'est pas mis avec l'autre, là. Non, ils sont tous morts, mais c'est affreux. Guizou. Oh, Guizou, c'est un garçon. Bon, on a un peu augmenté, mais c'est pas encore ça, effectivement. Il y a plus d'animaux dans proximité du là. Du là. Ah oui, ce qu'il y a là aussi. Non ? Ah oui, il y a des animaux. Il y a des animaux. Viens là, Sibel.
Bon, je vais essayer de la faire intervenir avec parce que... Harold a rencontré Lola, encore une blonde. Et tout le monde est revenu de l'école. Très bien. Bah... Ça marche pas. Oh, Daria est venue vieille! Oh, la vache. Daria qui est donc la petite sœur de Cybèle, quoi. Bon, allez, ça y est, ça marche pas, ça me saoule. On rentre à la baraque. J'avais oublié qu'on n'était pas sur notre terrain, du coup, bah voilà. Mais bon. Hein. Alors, on va reprendre les rênes un peu de la baraque. Le chien, il est là. On va lui donner tout de suite. Vétérinaire rajeunissante. Voilà, ça, ce sera fait. Ensuite, tu pourras lui donner à manger. Elle, elles sont des câlins. Elle, elle est partie faire du sport. Ok. Et moi, c'est les garçons qui m'intéressent aujourd'hui. Puisque les garçons... Bah non, ils grandissent pas. Bah, je suis toute chose, moi. Là, ils vont faire un bond, peut-être à partir de minuit dans l'épisode. Ah, ah. Très bien. Alors, Harold, contrôle des émotions, quoi. Ça va pas du tout. Ah, ça y est, le chien. J'ai eu peur, j'ai cru que quelqu'un mourait. Non, mais il faut pas faire des trucs comme ça. Faut pas faire des trucs comme ça, les Sims. Ça fait peur. Ça y est, c'est un peu long, hein, votre truc. Compétence niveau 3 fitness, compétence vidéo. Ah, ça y est. Loki a rajeuni. Ouais. Ah, il est tout mignon. Vas-y, on fait un câlin au chien-chien. Oh, mais arrêtez de vous faire des mamours, vous deux, là. On va parler au chien, là. Tiens, mais elle est buggée, hein. Elle peut rien faire avec les animaux. Ah ouais, non mais elle est buggée, la pauvre. Attendez. Hop. Je voulais... Vas-y, va, caresse-le. Ça y est, c'est bon. Et appelez Loki pour lui donner à manger. Ma pauvre Cybèle, aujourd'hui ça ne va pas. Ok. Ah. Il contrôle ses émotions lui-même. Qu'est-ce qu'il fait Ah, s'il regarde la télé. Le retour du chien perdu. D'accord. Non, non, mais je découvre encore des choses, moi, concernant les enfants. Hein. C'est bien, mon petit Igor. Tu sais quoi? Tu vas pouvoir faire tes devoirs. C'est pas grave, si tu grandis juste après. T'as pas de jouets dans ton inventaire, toi. Il y a encore quelqu'un qui a cassé... la maison de poupée, tiens, je fais comme ça, on va ouvrir. On va mettre je sais pas quoi dedans. Tiens ça là. Hop, et tu vas pouvoir jouer avec émotion avec. Hein. Ça, ça va te calmer tes... Surtout Igor. Ça, c'est sûr. Ah, on va rouvrir le truc. Mais tiens, tu vas jouer avec une voiture toi. Tu vas jouer avec émotion. Et on va te mettre un super Bioman. Hop. Ça, il y aura de quoi faire. On va remonter tout ça, les enfants. Et Cybèle qui apprend, enfin qui aide Garance à faire ses devoirs, c'est sympa. Elle a bien maigri, hein. Elle a bien maigri, Cybèle. Hein. Ça lui va bien. Regardez-moi ce chien. Il dort comme ça dans le jardin, tout va bien. On est cool. On est bien. C'est le chien dans le jardin. Voilà, pour les garçons, c'est pas encore gagné parce que ils vieillissent toujours dans un jour. Donc c'est un peu chiant par contre. Faculté mentale. D'accord. Tout va bien. Vous avez le contrôle des émotions bien remonté pour Igor. Il va falloir bosser son empathie. Mais bon, de base... comme il est méchant, on est quand même mal barré, quoi. Je t'avais dit de manger, Coco. Cybèle, qu'est-ce que t'as? Manque de con... Ah oui, en plus, ton mec, il est parti dormir, quoi. Allez, vas-tu lui faire des petites mamours, là, encore? Et puis, les vieux, là, c'est d'une tristesse. Ça y est, maintenant, on est en joueuse. Bah, dis donc,
Faut pas grand chose, meuf. Un petit baiser passionné, s'il vous plaît. Bon, je croyais qu'il y en a un qui est bugué. Est-ce qu'il a quelque chose dans le... Je veux le débugger. J'en ai marre des Sims buggés. Mange avant de crever. Allez, Igor. C'est bon. On va éviter de justesse la mort. Oh, mais toi, va te laver, hein, cocotte. Toi, ça va. Ouais, bah, tu vas être couché après. Lui, il va... Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Igor. Bah, voilà. Et pas Harold, par contre. On est d'accord. Bah, hein. Bon. On va arriver, je pense, à la fin de l'épisode. Donc, malheureusement, ils vont pas grandir ici, mais ils grandiront dans le prochain. Et on pourra voir les beaux gosses qu'ils sont devenus. Du moins, j'espère. Parce que s'ils sont pas beaux... Eh ben, je suis triste. Je vais pas commencer à m'avancer sur... Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tu veux féliciter un chat? T'es parti où, toi, sérieusement? Heidi, ça va pas? Rentre à la maison, quoi. Eh ben, elle fait des choses, je suis pas très sûre de ce qu'elle fait. Le chien, on dirait qu'il est parti dans la salle de bain tranquille. Bon. Ok, tout le monde est presque bien, puis toi, si tu vas être couché aussi. Lui, tu vas faire toilette, dodo. Si, ben, elle est déjà partie se coucher. Là, elle va partir se coucher aussi une fois qu'elle sera rentrée. Déjà qu'elle soit rentrée. Heidi, c'est bon, elle arrive. Je vais éteindre la musique parce que j'en ai marre. Va te coucher, ma belle. Allez, il est l'heure. Il va être minuit, là. C'est pas une heure pour une demoiselle de ton âge. Enfin, je dis ça. Je suis jamais couchée à cette heure-là, moi. Mais je suis plus une jeune demoiselle non plus. Je suis un vieux monstre pourri. Cybèle, tu dors où? Non mais... Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous arrêtez vos bugs de lit, là. Non, Heidi, tu vas pas prendre le rôle de la matriarche, là, de la... Non mais lol. Bah, c'est Cybèle, elle a été découchée, quoi. Non, elle dit, non, je veux pas dormir avec mon mari ce soir. La blague. Allez. Les filles, échangez vos lits. Dodo. Je vous jure, des fois, il y a des trucs, ça va pas du tout, quoi. Tout le monde au lit. Ouais, le chien Silo qui vient. Bon, j'ai toujours pas mis le papier peint, mais on dira pas. Allez. Hop, je vais mettre en un. Parler, c'est pas ce que je voulais faire ça en fait pour regarder, et c'est bel et bien les trucs qui éclairent beaucoup, hein. On est d'accord, ouais, très bien. Et eh bien moi c'est là dessus que je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où les garçons vont enfin vieillir et deviendront adolescents, et on pourra du coup voter pour quel est le Sims que l'on élira pour la prochaine génération et qui fera des bébés et compagnie et compagnie. En attendant, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut.